super accordéoniste. Les danseurs se régalaient avec lui. Il avait des bons tempos. Il intéressait les danseurs. Il avait le tempo qu'il fallait et un toucher merveilleux. Et une personnalité. Oh là là. Revint quotidien, plus à la santé de Boileau l'écrivain. Roulez. Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça. Francis Lemarque est l'auteur et le compositeur d'une des plus belles chansons françaises. Après la guerre, les plus grandes vedettes se disputent ses compositions. Yves Montand, Patachou, Jacques Elian. Il est un peu l'âme et le cœur de la chanson de Paris. Francis Lemarque a toujours été bercé par les refrains de l'accordéon, qu'il a à son tour fait chanter comme personne. Ah oui, moi je suis vacciné à la Java, c'est-à-dire à l'accordéon. Je suis né dans cette rue-là, pour 51, au-dessus d'un bal musette qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le bal des trois colonnes. Et les deux fenêtres que mes parents occupaient avec nous donnaient sur la rue. Et jusqu'à 3 heures du matin, dans mon lit, j'étais bercé par le chant de l'accordéon et par la voix d'une chanteuse dont on ne parle plus beaucoup parce qu'il y a longtemps qu'elle chantait, Jeanne Chacun. Et je me souviens qu'un jour, elle a chanté les nocturnes. Ce sont les nocturnes, les papillons de nuit. Et ça m'a filé des frissons dans la peau. Et même maintenant, en la fredonnant, j'ai encore les mêmes frissons que je ressentais quand j'avais, je sais pas, 3-4 ans. Et j'ai vécu dans cette rue, pleine de musique, pleine de lumière, comme un petit gamin, libre. Et je collais mon nez contre les vitrines de tous les bals musettes. Et je regardais les apaches qui dansaient avec leurs gigolettes au son de l'accordéon. C'était merveilleux. Je me suis payé une enfance extraordinaire. Dans ce quartier de la Bastille, où les bandes de mauvais garçons réglaient leurs comptes dans les balles, tous portaient, comme c'était l'habitude à l'époque, des sobriquets évocateurs, le balafré, le choqué, le dénicheur, qui inspira une chanson qui deviendra une célèbre valse-musette. La musique du dénicheur, composée en 1912 par le pianiste Léo Daniderf pour Damia, est un classique du musette. Il a engendré de nombreux enregistrements instrumentaux. La valse musette et sa dérivée la java, que l'on danse à petits pas, les mains posées sur les fesses du partenaire, sont les danses des mauvais garçons, les apaches. Elles vont souvent déclencher des bagarres et attirer le bourgeois, désireux de s'encanailler et d'éprouver le grand frisson. Dans le bal musette, la tenue est plutôt débraillée. Les filles portent des jupes fendues qui arrivent au-dessus des genoux. Les couples dansent collés l'un à l'autre, les danseurs suivent la cadence. Quand un accordéoniste change d'établissement, sa clientèle le suit, trop habitué à son rythme pour changer d'interprète. La rue de Lappe, c'est aussi le Balageau et Joe Privat. Vrai parisien, né à Ménilmontant, Georges Privat est l'un des plus grands compositeurs de valse. Né du métissage, des accords traditionnels du musette et de la musique zigane, elles sont d'une grande richesse harmonique. En 1936, Joe Privat gagne le championnat de France des orchestres musette et fonde alors sa propre formation. Il fut l'un des premiers à jouer de l'accordéon sans vibration. À la fin de 1936, il entre au Balageau et finit par s'identifier complètement avec l'établissement. Il y joue d'abord jusqu'en 39, puis y revient en 45, il y restera 40 ans. Joe Privat, intellectuel drôlatique et insolent, anarchiste, est surtout un homme de cœur. C'est ce quelque chose d'adorable que je retiens chez lui par rapport à ce qu'il écrivait. Et à partir du moment que vous écoutez une telle sensibilité, que vous l'avez dans l'écriture et que vous l'écoutez dans l'interprétation telle qu'il le faisait, cette personnalité qu'il avait, je crois simplement qu'on peut dire simplement merci monsieur. Et quelqu'un qui s'exprime de cette façon ne peut pas être autre que d'avoir un grand cœur quelque part. Ce qui n'empêche pas qu'il avait tous ses mauvais côtés, je les cache pas. Bon, puis il y a plein de gens qui connaissent, bon, Joe Privat, mais moi ce que je retiens de lui, c'est que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Si
je n'avais pas joué d'accordéon, je serais devenu un mauvais garçon. J'ai été l'accordéoniste le plus populaire parmi la pègre, disait Joe Privat. Pendant les grandes années du Balajo, les caïds l'avaient adopté. Il connut Émile Buisson et devint le copain de Joe Attia. Tout comme en Amérique, le jazz était étroitement en rapport avec Al Capone et ses gangsters, à Paris, le musette était environné par le milieu. Ces relations expliquent sans doute comment l'accordéon, témoin bien involontaire de cet environnement, sera longtemps regardé comme un instrument de bal sans autre intérêt que celui de faire danser. Au milieu des années 30, danser le swing entraînait bousculade et bagarres. Il fut rapidement interdit dans la plupart des bals. Joe Privat jouait au select et moi je jouais au tonneau. Alors quand il y avait une bagarre chez moi, j'allais chercher Joe. Joe il venait me remplacer. Comme ça, ça changeait de tronche. Hein. Et puis j'allais jouer à la place de Joe. Et quand il avait une bagarre chez lui, au select, c'est Joe qui venait, c'est moi qui allais jouer à sa place. L'arrivée du swing va changer bien des choses. L'accordéoniste Gus Wieser introduit le rythme syncopé du jazz dans le phrasé un peu linéaire de l'accordéon. Il est bientôt suivi par un autre musicien, Charley Bazin. Les deux hommes vont souvent jouer au Petit Jardin où ils retrouvent le guitariste Django Reinhardt et les gitans de la Porte d'Italie, laissant libre cours à leur improvisation. Tony Murena va vite les rejoindre. Gus Wieser, Murena, Joe Privat introduisent une nouvelle façon de jouer tout en restant quand même fidèles aux musettes. La période swing, c'est quand je suis arrivé à Paris. J'avais fait connaissance surtout de Tony Murena. Tony Murena, Gus Wieser, j'ai joué déjà moderne. Et puis j'ai fait connaissance de tous les gitans. Il y avait Django Reinhardt, il y avait Sarane Ferré, il y avait Pierre Barreau, il y avait Matelot. Enfin, tous les ferrets, tous les... Alors j'ai appris à jouer un peu chiton. Le jazz imprégna durablement les meilleurs accordéonistes et tint un rôle non négligeable dans la rénovation du répertoire au contact des guitaristes tzigane. Le disque rendit populaire les grandes vedettes de l'accordéon, surtout pendant l'occupation, quand les Allemands eurent fermé les dancings et qu'il fallut trouver des endroits clos comme des arrière-boutiques pour pouvoir danser. Les bals étaient interdits. Pour détourner la loi, on a créé des cours de danse. Ce fut le temps des bals clandestins. C'est pas difficile, les bals clandestins, ça se passait rue de l'Ancrie, à côté de la fabrique d'accordéons, où j'ai toujours mes accordéons, Fratelli Crozio. Et je jouais, d'ailleurs Bourville, il venait même danser alors. Et on jouait rue de l'Ancrie, alors on mettait un copain à un coin de rue avec un sifflet, à l'autre coin de rue on mettait un autre copain avec un autre sifflet, puis un à l'entrée du bal clandestin. Et à chaque fois qu'il y avait une rafle, surtout la police, la française, à chaque fois qu'il y avait la police qui arrivait, le gars il donnait un coup de sifflet, puis ça correspondait, hop, on faisait concours de danse. Alors quand les flics ils arrivaient, les gars prenaient à danser. Voilà comment ça s'est passé. Est arrivée donc la libération, j'avais 20 ans, et là c'était in the mood, c'était des morceaux comme ça, alors on pensait, nous jeunes, que c'était ça, l'avenir, que c'était cette musique-là. De toute façon, la musique américaine, c'est toujours basé sur fa, si bémol et mi bémol. Ils n'ont jamais décroché de ça. Avec ça, ils refont l'autoroute. On jouait du jazz tous les jours dans la brasserie, mais hélas, les clients, c'était que des fans de jazz, c'était des musiciens. Tout le monde venait faire le bœuf, personne ne consommait, et la boîte commençait à péricliter. Et très rapidement, nous sommes rendus compte que le jazz en France, notamment à l'accordéon, c'est pas du tout ce qu'il faut. Thank you.
L'accordéon, ça marche avec ton cœur. Le soufflet que tu actionnes, c'est ta respiration, le battement de ton cœur, dit Aimable, qui a su se faire un nom avec son seul prénom. À la fin de la guerre, il monte sa propre formation, où l'on trouve surtout des jazzmen célèbres, comme Jean Bonnal à la guitare, André Persiani au piano et Roger Parabocchi à la batterie. Depuis, Aimable a toujours été accompagné par d'excellents musiciens. Il mène une carrière internationale, jouant souvent au Waldorf Astoria de New York. Il est depuis 30 ans une des grandes vedettes des disques Vogue. Il a reçu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, le Grand Prix du disque, ainsi que 5 disques d'or. Plusieurs fois millionnaire du disque, il est l'ambassadeur de la musique populaire française à travers le monde. Vers 1946, on assiste à l'avènement des bals sous chapiteau. Dans les campagnes, les gens voulaient danser, s'amuser, et les salles étaient trop petites pour accueillir tout le monde. Les bals s'implantaient partout, où il était possible de réunir plusieurs centaines de personnes. Dans le passé, tout le monde allait au bal. Tout le monde. Moi, j'ai vu un jour, dans un petit pays qui s'appelait Richmond, dans l'Indre, un petit peu après la guerre, il y avait dans les prés, là, ils avaient fait un espèce de parking, il y avait 2000 vélos. Ouais. Alors là, il y avait tout le monde. Les pas jeunes, les pas vieux, les tout jeunes, etc. Tout le monde est au bal. Hey, hey. Et pour vous, mesdames, ça fait remonter les seins. André Verschuren, c'est le roi, certainement le plus connu des accordéonistes français. Il a été le premier à avoir compris que le public était friand de son et lumière, et il a conçu avec son orchestre un véritable show, comme ceux de Ray Ventura ou de Jacques Ellian. Il fut également le premier accordéoniste à jouer en vedette à l'Olympia. André Verschuren est une star que la radio, la télévision et les disques ont rendu populaire. Verschu, l'amical surnom que lui donna Fernand Reynaud, est aussi un compositeur à succès. Chaque nouvel album se vend par dizaines de milliers. Son seul nom sur une affiche est gage de succès. Pour les Français, l'accordéon, c'est Verschuren. Jusqu'à preuve du contraire, le roi de la danse. De la danse, j'ai dit, je ne parle pas de techno, je ne parle pas, chacun aime ce qu'il veut, hein. Je ne parle pas de ce genre de truc un peu égoïsme qui se danse un peu, qui se danse tout seul. Mais l'accordéon est un instrument qui rassemble les gens. C'est une musique qui permet de se parler, de contacter une personne, de danser avec, de lui raconter des tas d'histoires, même si elles ne sont pas vraies, mais c'est un très bon contact, l'accordéon. Et puis, pour moi, l'accordéoniste donne beaucoup de sa vie. Ça, c'est-à-dire que c'est un instrument difficile, et quand il faut jouer pendant 7 heures, eh bien, ça n'est pas facile du tout, et il mouille des chemises, souvent. Je fais des semaines de 48 heures. Il attend que les dimanches s'amènent pour sortir sa grande germaine. Ou bien une autre, ça revient au même feu. Mais moi je préfère. C'est vers la fin du 19e siècle, dans les années 70-80, que les guinguettes firent leur apparition sur les rives de la Seine puis de la Marne. Elles succédaient à des estaminets plus ou moins cachés, où les conspirateurs opposés à la Restauration puis au Second Empire ourdaient leurs machinations et leurs complots. On les appelait à l'époque les goguettes. Après la chute de Napoléon III, ces établissements devinrent des lieux de rendez-vous pour les pêcheurs du dimanche.
On y buvait sec, on y chantait fort, tout en faisant la cour aux filles du voisinage. Bientôt, les peintres impressionnistes comme Monet ou Renoir y plantèrent leurs chevalets, lançant les guinguettes auprès du grand public à travers leurs toiles. Le succès fut immense, allant jusqu'à inspirer de grands écrivains comme Carco ou Macorlan. Rappelle-toi les belles années guinguettes. Jusqu'en 1939, l'atmosphère des guinguettes des bords de Marne était un véritable paradis pour les petits employés qui travaillaient dur toute la semaine. C'était l'occasion pour les filles de s'endimancher, pour les garçons de plastronner dans leurs beaux habits tout neufs. C'était le royaume béni des amoureux de la capitale. Elle avait sa robe blanche, puis son beau costume à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui n'était pas dans sa manche. Si bien qu'il invita la jolie dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Après la guerre, les guinguettes réouvrirent très vite. Une valse musette, devenue mondialement célèbre, Ah le petit vin blanc, reflète très bien cette ambiance. Mais bientôt, vers le milieu des années 50, l'arrivée en France de la musique anglo-saxonne et des groupes de rock'n'roll, qui introduisaient avec eux la guitare électrique, allait obliger l'accordéon à quitter les rives de la Marne. Les guinguettes fermèrent les unes après les autres et disparurent pour entrer dans la légende. Guinguette à fermer ses volets, des joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud il frise à l'échafaud pour des vendus qui rusent. Viens d'entrer rageur en vengeur, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Cependant, depuis quelques années, les jeunes ont réadopté avec ardeur et amour l'accordéon qui avait si bien fait danser leurs parents. Ce retour aux sources de la vraie musique populaire a entraîné la réouverture de plusieurs établissements qui accueillent à nouveau de nombreux danseurs. Que ce soit à Joinville, à Nogent ou à Précy-sur-Marne, les guinguettes ont réouvert leurs volets. Dans les années 70-80, où c'était très difficile de pouvoir s'exprimer avec l'accordéon. Alors, je m'étais recyclé un peu à l'accordéon électronique, c'était pas mon truc. Quoi. J'avais l'impression de me transformer en bedeau. J'avais rien contre les bedeaux, mais c'était pas mon truc. C'est pour ça que j'ai ouvert la guinguette, en fait, parce que je voulais pouvoir en fait, me faire plaisir, puis faire plaisir à tous ceux qui attendaient ce genre d'endroit, puisqu'il n'y en avait plus. Il ne restait plus que notre ami Gégène, quoi. À Joinville là-bas, mais les autres avaient tous fermé, quoi. Danny Salmon a été longtemps le chef d'orchestre du cirque Fanny. Il a accompagné également de nombreux numéros de music hall. Après avoir animé tous les grands bals de France, il reçoit aujourd'hui dans sa guinguette avec ses deux fils tous les danseurs de la région les samedis soirs et les après-midi du dimanche et du jeudi. Comme il disait Joe Privat, et
le phénomène a été recopié, quoi. Mais moi, je dis bravo, plus on est, mieux c'est, quoi. Parce que ici, bon, bah, ça marche, en fait. Même j'ai le problème de place, quoi. C'est familial, quoi, de 7 à 97 ans, comme on dit, quoi. Mais c'est en famille, quoi. On voit de plus en plus de jeunes qui reviennent dans l'été dansant, qui n'hésitent pas à prendre des cours de danse. Et je crois que l'accordéon est très lié par rapport au fait qu'il y a des écoles de danse qui réapprennent aux gens à danser. Et ça, c'est très, très bon pour nous, parce que plus les gens sauront danser, et mieux ça vaudra pour nous. Il y a des jeunes qui viennent de boîte, quoi, en fait, quoi, qui n'ont jamais mis, qui ne savent pas où ils vont. Et, ils ont un peu le sourire quand ils rentrent ici. C'est un peu... ils ont une idée d'endroit un peu démodé, quoi. Et après, ils s'aperçoivent que c'est pas mal du tout. On danse à deux, au lieu de danser tout seul dans son coin. Et puis, on les revoit revenir, même sans la famille, quoi. Et ça... C'est pour ça que le samedi soir, on a quand même... maintenant, on est passé à deux tiers jeunes, un tiers plus ancien. Les gens peuvent venir en toute tranquillité dans ce genre d'endroit. Ils vont découvrir des endroits sympathiques. Et ils vont s'amuser, ils vont passer des soirées pas très chères en plus. Les dernières, c'est pas très cher. C'est peut-être aussi le phénomène qui fait que ça prend une ampleur. De se faire massacrer dans des choses où on s'ennuie, on peut même pas se parler tellement c'est fort. Ici on peut parler, la partie restauration on peut se parler, passer une soirée sympa, et puis l'endroit où il y a la piste de danse, c'est un peu plus fort, mais les gens s'éclatent, il y a un équilibre. Quand je fais soit un thé dansant, soit une soirée de n'importe quelle société, il y a les gens qui viennent vous voir, on sent qu'ils ont besoin de cette communication, cette communion à travers cet instrument. Corchia, fils de Primo Corchia et élève de Médard Ferrero, accompagna de nombreux chanteurs et parmi eux Félix Martin, Mick Michel, tout en chinant dans le répertoire manouche. Bon, quand je suis commencé à jouer de l'accordéon à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai commencé par le classique. Et à 14 ans, j'ai dit à mon père, dis-moi, tu connais bien Tony, tu l'amènes ici au dancing, je voudrais bien qu'il me donne des cours de moderne. Et un jour, je rencontrais Tony, pour moi, c'était le jour le plus merveilleux de ma vie. Et je dis, Tony, vous pouvez pas me donner quelques clichés un petit peu? Mais il dit, tu joues mieux de l'accordéon que moi. J'ai dit, non, c'est pas ça que je veux, c'est le style. Parce que j'étais classique, tu sais. Alors il me dit, bah écoute, je viendrai te voir. Et il venait me voir une fois par semaine et il me donnait des plans, quoi, tu vois. Et c'était vraiment l'admiration. L'accordéon, c'est l'instrument le plus connu, le plus aimé des Français. Je dirais que si le bal populaire, dirons-nous, le bal occasionnel, que nous appelons nous ici, est toujours prépondérant en France, c'est grâce à l'accordéon. Parce qu'il n'y a, je ne vois plus, il n'y a plus de grandes formations comme on avait dans le temps avec Jouvin, etc., Joannico, des grandes formations d'orchestre. Maintenant, la plupart des bals, les bals à papa, les bals populaires, c'est l'accordéon. L'accordéon, donc, a toujours
toujours l'affection du public. Il l'a jamais perdu. On allait à Deauville pour engourdir la mer, la ramener à Belleville, la faire vivre en hiver. Ça rametait les voisins qui crêchaient au terrain vague, le chant des violons rabouins qui dorment au creux des vagues. La chanson à texte, grande spécialité française, compte un grand nombre de vedettes parmi les chanteurs les plus connus qui très souvent donnent à l'accordéon un rôle de premier plan. Certains s'attachèrent durablement les services d'un accordéoniste, d'autres les utilisèrent à l'occasion. Rares sont ceux qui n'en employèrent jamais. La main loin des haubans, on saluait Paname et on vissait au vent. On chantait, on dansait quand tourné vers la lune, dans sa corne de brume, la gaule nous la donnait. On y murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la Java bleue. L'accordéon suivit la grande Féelle dans toutes ses carrières, accompagnant ses plus grands succès. Celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, pour quand les corps se confondent. La chanson, c'est la diapositive de la rue. C'est leur, c'est, on raconte aux gens ce qu'ils veulent qu'on leur raconte. C'est-à-dire qu'on leur, on met en chanson leurs rêves et ce qu'ils ont envie qu'on leur raconte. Donc c'est vraiment, on la vole à la rue, la chanson. Ouais. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés, sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Avec Francis Lemarque, l'accordéon trouve une place de choix. Juliette Gréco, remarquable par son talent vocal et la qualité de son répertoire, fait souvent appel aux accordéonistes. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi. Tu n'étais pour moi, ce soir-là, rien qu'une inconnue. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid, alors, ici c'est confortable. Édith Piaf, qui symbolisa la chanson réaliste pendant près de 25 ans, fut accompagnée par de nombreux accordéonistes. Marc Bonnel la suivit ainsi pendant 18 ans, créant l'ambiance mélodramatique inoubliable et qui lui seyait tant. Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue.
Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira à quoi ça pense, un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Avec Jacques Brel, l'accordéon demeure l'exemple parfait d'une collaboration au sommet. L'accordéoniste Jean Corti l'accompagna les 7 dernières années de sa carrière et co-signa avec lui de très belles chansons. Dans un cabaret dans le sud de la France. Brel était en vacances. Il est donc venu boire un verre où je travaillais. C'est donc Brel qui est venu à moi. Brel était, tout le monde le sait, un homme très sympathique et très sociable. Il était difficile de s'ignorer. On a bu un verre, deux verres, trois verres, ça a duré 15 jours. Et Brel m'a recontacté au mois de septembre pour faire une télévision qui était les rendez-vous de Jacqueline Joubert à l'époque. J'ai donc accepté, bien sûr, et c'est après cette télévision, il m'a rappelé, il me dit, voilà, j'ai un gala ou deux, tu veux le faire. Ça a duré 7 ans. J'ai écrit Les Taureaux, Titine, Madeleine, Les Bourgeois et Les Vieux. Né dans le Nord, marié avec la fille de Gus Wieser, Jos Baselli fera une carrière exemplaire dans sa diversité. Après avoir joué dans les Bals du Nord, il descend à Paris où très vite, il devient musicien de studio. Plus tard, il accompagnera sur scène de nombreuses vedettes. On lui doit la musique du film L'Astragale, mise en scène par Daniel Duval. Pendant plusieurs années, il sera le chef d'orchestre du Palm Beach à Cannes et producteur à la télévision du monde de l'accordéon. Après une tournée aux États-Unis avec Patachou, que lui avait présenté Michel Aimer, Jos Baselli fera une carrière exceptionnelle de soliste aux USA sous son vrai nom, Joe Basile. Je sentais que j'avais besoin d'un accordéon, j'avais une formation de 4 musiciens qui étaient tout à fait remarquables d'ailleurs, des très très bons. Mais il manquait peut-être une couleur que je sentais manquer pour habiller ce que j'avais envie de faire, envie de chanter, la façon dont j'avais envie de le faire. Je c'était plus qu'un... D'abord c'était plus qu'un accordéoniste. C'était plus qu'un musicien, pour moi, c'était plus qu'un accompagnateur. Joss, c'était mon petit frère. Moi, je l'ai connu tout petit, Joss. Et ça a été 30 ans de complicité, 30 ans de cette forme d'amour qu'on arrive à développer à travers les mêmes goûts du métier, la même façon de le faire. Et puis cette forme d'humour qui lui était drôle, c'était quelqu'un de remarquablement intelligent. Et pas seulement, parce que d'être intelligent, c'est bien gentil, mais c'est presque à la portée de tout le monde. Et puis j'avais rien à faire, je n'avais qu'à chanter quand il était là. En 1982, Joss s'est éteint brutalement sur scène à l'âge de 56 ans. La boîte à frissons de Joe Privat s'est refermée le 3 avril 1996. Dernier héros légendaire d'une époque qui avait marié le swing à la valse musette, le tendre gouailleur de Ménilmontant restera l'une des grandes figures, le dernier mythe de l'âge d'or de l'accordéon. Thank you.
prochain rendez-vous sur un air d'accordéon. Les vedettes d'aujourd'hui succèdent avec bonheur aux pionniers d'hier. Se souvient de son arrivée à New York. Tu sais, ça fait drôle quand tu arrives dans un petit village de mineurs, dans le nord d'un petit village, puis tu te retrouves, on se retrouve au Waldorf Astoria, ça fait quand même l'Amérique, drôle. L'Amérique, hein. Quoi, c'est l'Amérique. Bah, c'est l'Amérique, j'ai joué avec Count Basie, j'ai joué avec Harry James, j'ai joué dans une boîte qui est en dessous de l'Empire State Building, qui s'appelait, je me suis pour mon anglais, hein, parce que alors là, l'anglais, tintin. Hein. En dessous de l'Empire State Building, il y avait une boîte qui s'appelait le Riverboat, et il y avait Count Basie au piano, et il y avait Harry James était le gars qui jouait de la trompette dans le bal des sirènes. Marcel Azzola est reconnu aujourd'hui comme le pape de l'accordéon, un talent apprécié par Arturo Toscanini lui-même. Il est présent dans toutes les expressions musicales, que ce soit le musette, le jazz, le classique, la variété, l'accompagnement de chanteurs ou l'enseignement de l'instrument. Élève de Médard Ferrero, Marcel Azzola a travaillé avec les plus grands, de Jacques Brel à Michel Legrand. Il contribue largement à la renommée de l'instrument dans le monde. Mais apprécie-t-on vraiment l'accordéon de la même manière en France qu'au-delà des frontières? Il est ressenti de manière différente, bien qu'il y ait toujours un point commun quand il s'agit de l'accordéon fête, l'accordéon pour la distraction. Et il est ressenti à peu près de la même manière dans beaucoup de pays, même s'il est joué très différemment dans les styles. L'accordéon s'est toujours exporté. Pas oublier, quand vous allez aux États-Unis, moi j'étais très surpris, j'étais souvent, dans les bacs des grandes surfaces qui vendent des disques, on trouvait régulièrement les accordéonistes français. Yvette Horner est devenue la coqueluche des branchés parisiens, les mêmes qui affichaient il y a si peu de temps un solide dédain pour cet instrument. Mais si Yvette Horner est la preuve de la réussite féminine, les filles de l'accordéon ont eu bien du mal à imposer leur talent dans un univers réservé aux hommes. Dans les années 30, elles n'étaient même pas admises dans les bals musettes. Il leur faudra attendre la fin de la guerre pour qu'elles parviennent à se hisser au devant de la scène. Yvette Horner a ouvert la voie, de nombreuses jeunes filles font maintenant parler d'elles, comme Danielle Pauly. Danielle Pauly, originaire de Franche-Comté, commence l'accordéon vers l'âge de 5 ans. Cette sportive accomplie est dotée d'une belle technique, au jeu plein d'assurance. Elle donne de nombreux concerts dans les pays d'Europe, notamment en Grande-Bretagne, où elle effectue de fréquentes tournées, et même beaucoup plus loin, jusqu'en Inde.
Ainsi, cette charmante jeune femme, influencée par Jos Vasely, offrira-t-elle à l'accordéon ses galons de concertiste à travers le monde. Accordéoniste virtuose et compositeur, Michel Boudet joue son propre répertoire et se voue au professorat. Elle dirige une école d'accordéon à Ambert, en Auvergne. Initiée à l'accordéon à l'âge de 9 ans, élève de Jean de Georges, elle subit l'influence de Privat, Murena et Wieser, mais seul son travail, sa ténacité, son enthousiasme et son talent lui conféreront la célébrité. Chaque été, depuis quelques années, le trophée Michel Boudet permet à de jeunes accordéonistes déjà confirmés venant de toute la France de gagner la notoriété. Corinne Rousselet réalisa le désir de sa mère en devenant accordéoniste. Elle fut l'élève de Joe Rossi à l'Académie de l'accordéon de Paris. En 1981, elle remporte la deuxième place du concours des princes de l'accordéon et enregistre son premier disque chez Vogue sous le parrainage d'Emma. Recommandée par Jos Vasely, elle accompagne Charles Dumont en URSS et joue dans le monde entier, mettant en valeur des qualités musicales au service d'un phrasé élégant, naturel et consistant. Elle est maître actuelle sans renier le passé. Élève elle aussi de Joe Rossi et de Frédéric Guerouet, Alexandra Paris est sélectionnée en 1968 par Maurice Larchange pour faire partie des petits prodiges de l'accordéon. En 1989, elle remporte le premier prix de la SACEM. Depuis, elle a créé son orchestre et sillonne la France entière, remportant un immense succès auprès de son public. Il y a des jeunes qui sont formidables. Hein. Il y a des jeunes qui font ce que je fais avec mes doigts, il faut que leurs pieds. Alors. Armand Lassagne s'affirme comme un rénovateur aussi discret qu'inspiré du répertoire. Il enregistre de nombreux disques, dont le remarquable Comics 2000. Armand Lassagne enseigne à ses élèves que la musique ne s'étudie pas seulement, elle se joue. Là, il y a un passage de doigté où que tu répètes deux fois la même note avec le pouce. Il faudrait mieux que tu changes de doigté, tu as une meilleure attaque de notes, hein, ça passera mieux. Bon, tes nuances sont pas mal, hein, faut que ça coule, il faut que ça tourne. Dans l'ensemble, c'est bien, le tempo et tout ça, c'est pas mal. Hein. On va voir la deuxième partie. Hein. Ta-da-da-da. Tu peux prendre là. Ce qu'il fallait surtout pendant ta variation, tu as tendance à presser un peu. Hein, c'est pas parce que tu fais des notes qu'il faut presser le tempo, il faut au contraire qu'il soit toujours bien posé le tempo. Hein. Tu peux jouer en double croche, en noir, en blanche, comme tu veux, mais le tempo doit être quand même plus assis si tu veux, hein. ce serait beaucoup mieux. D'abord je faisais du synthétiseur et j'adorais les balles, donc j'ai été dans un bal et j'ai rencontré Frédéric Forêt. On me l'a présenté et j'ai trouvé son accordéon très très bien, donc j'ai décidé d'en faire. Il y a des très très bons jeunes accordéonistes, ça a beaucoup évolué, disons qu'il y a de sérieux clients dans les jeunes, et c'est un bien d'ailleurs, j'en suis très heureux, et nous espérons tous que l'accordéon va toujours progresser, et parce que c'est quand même un instrument encore méconnu finalement. Thank you.
Bandoneon, est-ce qu'il est en Argentine? L'accordéon est bien propre à la France, en tout cas. Et c'est pas par hasard qu'il y a énormément de jeunes élèves qui apprennent cet instrument. Refais-le ton passage de basse. La, sol, la, si, do. La, sol, la, si, do, ré, mi. Ta, pa, ta, pa, ta. Voilà. C'est pas grave. Alors, reprends ta main gauche. On va repartir après le passage de basse, tu vois. Tu reprends le passage de basse, le classique à l'accordéon, le jazz, des morceaux qui sont inédits, qui ne sont pas systématiquement dans le répertoire traditionnel, sont fort intéressants à enseigner et apprennent beaucoup aux élèves, puisque les élèves ne connaissent pas les nouvelles œuvres. Je pense que l'accordéon est un instrument dans lequel le public a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à écouter. Il n'y a pas une ville en France où il n'y ait pas un professeur d'accordéon. Une ville, importante. Alors, c'est incroyable. L'accordéon n'a pas perdu sa valeur. Je dois dire que l'accordéon est resté populaire. Il est toujours populaire. Et ça marche toujours très bien. Dans les conservatoires, nous avons plus d'une trentaine de concertistes accordéonistes, pédagogues, qui font un travail remarquable, ce qui fait que l'accordéon, en ce moment, est en pleine évolution et dans le bon sens. Notre rôle dans les écoles de musique, il est double. Détecter les futurs artistes, les faire travailler au maximum, mais aussi donner du plaisir à celui qui a du mal à jouer. S'il y trouve son plaisir, nous on fait le maximum. On y travaille aussi de la musique traditionnelle, on y travaille du musette, on essaye aussi d'amener les élèves à travailler une autre littérature, de la même musique contemporaine, du classique. Notre rôle, c'est d'amener les enfants à connaître tous les styles de musique et à les jouer. L'accordéon est encore le vilain petit canard. Je crois que dans les statistiques, par rapport à tous les instruments, c'est en quantité de classes, c'est l'avant-dernier, il y a juste le tuba après. C'est-à-dire que l'accordéon est un instrument qui a été reconnu très tardivement, parce que c'est seulement 1988 qu'il a existé un CA, mais ça n'a pas pour cela ouvert plus de classes. Donc effectivement, Tulle, Bordeaux, il y a le CNR de Paris, il y a eu Roubaix, mais ça reste malgré tout anecdotique. On a certainement de très bonnes écoles d'accordéon. Maurice Larchange a des élèves remarquables. Moi, j'assiste souvent à des concerts, à des concours d'accordéon, et je suis toujours surpris de voir des gamins de 13-14 ans mais jouer d'une façon avec une dextérité époustouflante. C'est vraiment des futurs stars de l'accordéon. Maurice Larchange, né à Avelui dans le Nord, commence sa carrière en 1943 et devient vite populaire car ses qualités techniques sont indéniables. Mais on le connaît surtout aujourd'hui pour avoir créé avec José James et Gérard Léger les Petits Prodiges de l'accordéon, association destinée à la découverte et à la promotion de très jeunes interprètes. Au concours proprement dit, s'ajoute une revue Accordéon Star et des émissions de radio pour France 300. Ce que je reprochais dans l'accordéon, c'était qu'il n'y avait pas de nouvelle génération qui arrivait. Par exemple, moi, à 29 ans, nous étions trois. Il y avait à l'époque Maurice Vitney et Armand Lassagne, qui étaient des grands accordéonistes. Et nous étions tous les trois à 28, 29 ans. Et on nous appelait à 29 ans les cadets de l'accordéon. C'est un peu honteux. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber dans un trophée d'accordéon. Et j'ai vu Dominique et Maureen jouer de l'accordéon. Elle avait 9 ans et demi.
et je suis tombé sur le dos, et j'ai dit, mais c'est pas possible que des jeunes jouent aussi bien que cela. Et 6 mois après, c'était en 86, 6 mois après, sortait le premier disque avec des enfants de 10 à 14 ans. C'est formidable, ils sont enthousiastes, ils ont une lumière dans les yeux, ils comprennent tout, ils sont ouverts, ils rigolent, ils sont sérieux, ils sont prêts à travailler, et au studio, ils se sentent des anges. Alors bravo la jeunesse, parce qu'on parle toujours, quand on ouvre sa télé, c'est toujours pour entendre des jeunes qui brûlent des voitures ou des choses comme ça, mais des jeunes comme ça, on n'en parle pas. Je leur ai appris le travail sur scène, etc., tout genre, mais en leur recommandant de faire des stages chez les grands professeurs, de continuer les études avec leurs professeurs, mais aussi d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, parce que je pense qu'un accordéoniste, tout le monde n'était pas d'accord au début, doit faire tous les styles, apprendre tous les styles, et après prendre sa propre personnalité. Mais il faut écouter ce que font les autres, parce qu'il ne faut pas mourir idiot, il faut savoir ce qui se passe. Et après, ces jeunes font leurs produits eux-mêmes, et croyez-moi, ils l'ont très bien fait. À 11 ans, Dominique et Maureen rencontrent Maurice Larchange. Très vite, elle devient le chef de file des petits prodiges. Premier prix de l'Accordéon Club de France, premier prix de l'UNAF, l'Union Nationale des Accordéonistes Français. Elle est en 1990 championne du monde dans la série Divertissement. Étant donné qu'ils sont privés de brasserie, dans les brasseries, on jouait de tout. Du tzigane, du roumain, du classique, du musette, des opérettes, des extraits d'opéra. On jouait tout ça. Et alors, je donnerai aux jeunes un conseil, de lire beaucoup de musique, de déchiffrer énormément tous les styles et d'écouter. Avant, les gars de ma génération, on écoutait à la radio, on disait « Tiens, c'est un tel qui joue ça, c'est un tel, c'est un tel ». Chacun avait son style très particulier, que maintenant, les jeunes, à part quelques exceptions bien sûr, ils jouent tous un petit peu pareil, tous très techniques, formidables, hein, mais peut-être un petit peu un manque de personnalité. Il manque de couleur. Peut-être. Peut-être. Enfin, ça va se faire avec le métier, je pense. Ils ont l'avantage sur ma génération de tomber justement dans des périodes où l'accordéon, il y a un renouveau pour l'accordéon. Donc, ils sont avantagés, très sincèrement. Et en plus, ils ont eu des professeurs extraordinaires. Je ne vais pas en citer, mais il y a des noms très connus. Donc, ils ont pour eux tout l'avenir devant eux. Ce qu'il faut simplement leur dire, peut-être qu'ils aient un petit peu de patience pour certains, parce que tout ça, ça ne se fait pas, une carrière ne se fait pas en 48 heures. Il faut du temps. Puis ensuite, après la technique, il faut apprendre son métier sur les planches. Une vedette, ça se fabrique, un artiste, ça ne se fabrique pas. Ben ça, il faut le savoir, Claude. Hein. Originaire de Brive, Sébastien Farge est à 14 ans un autre des petits prodiges de Maurice Larchange. En 1992, il est premier prix de conservatoire de musique classique. En 1993, il est champion du monde d'accordéon. Thank you.
Pour l'historien et professeur réputé Pierre Monichon, la musique est une langue sonore. Elle peut, selon la pensée et le goût de chacun, exprimer tous les degrés des sentiments humains. Il est vain de vouloir distinguer rigoureusement la musique populaire et la musique savante. L'histoire de la musique et celle des instruments, comme l'étude des œuvres, montrent combien elles se complètent et s'interpénètrent. L'accordéon est admis depuis toujours aussi dans la musique folklorique, dans le folk, et puis dans la musique classique, il fait évidemment ses concerts, et il y a aussi la musique contemporaine, qui a une grosse importance avec donc les nouveaux compositeurs et avec les nouvelles compositions dont s'enrichit le répertoire de cet instrument. On va, c'est vrai, de plus en plus vers le concert, mais le bal est encore là, à l'état latent, mais avec moins d'importance, du moins pour cette couleur d'accordéon. Je pense que les musiciens savants ont beaucoup à apprendre de l'articulation pour la danse, et les gens qui font de la danse peuvent aussi apprendre de la musique contemporaine, peuvent aussi apprendre dans l'improvisation. Je pense qu'en ce moment, il y a un courant qui est en train de naître, et pour aller, enfin, donner mon avis, au-delà de ce qui est strictement de l'accordéon, il y a deux choses qui doivent se marier qu'au XXIe siècle. C'est l'apprentissage par l'analyse, l'écriture, qui est très sérieuse, très respectable, la musique classique, et puis de la musique et du mouvement, du geste, de la danse, qui se fait plus par l'imprégnation, l'imitation, une approche par les sens, quoi. Et je pense que si on arrive à lier ces deux choses-là, je pense qu'on sera encore plus heureux qu'on l'est maintenant.